La CGM a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire et son assemblée générale élective. Après 6 ans de mandat, 2 fois 3 ans, je peux parler d'un bilan qui se construit autour de 4 axes fondamentaux. D'abord, le renforcement du partenariat public-privé avec le gouvernement et avec les syndicats, nos partenaires sociaux, mais également du rôle que joue la CGM et l'entreprise marocaine dans les régions, dans les secteurs, à l'échelon national et international. Je voudrais également parler du renforcement de la CGM en tant que force de proposition et acteur de la société civile en participant à la vie, à la vie politique à travers les 8 sièges du Parlement. Donc de la Chambre des conseillers plus exactement. Donc on fait porter la voix de l'entreprise également dans l'hémicycle. Nous avons également travaillé pour être un représentant digne de confiance et fiable et engagé dans le cadre de la diplomatie économique. Mais pour Phinique, ce qui est très important, c'est le rôle social et sociétal que joue l'entreprise. L'entreprise en tant que responsable social et sociétalement sur son environnement direct et au sens le plus large. Et je voudrais conclure mon propos pour dire que ce n'est pas par la grâce du travail seulement, mais d'abord par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et Redat Jalalat al-Malik ou Tiqan les amel al-qita' al-khas dans le secteur privé. D'abord, on n'est pas sur le dialogue social. On est sur un bilan, on parle sur le mandat, j'ai fait mon bilan tout à l'heure, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, je le partage avec vous. En ce qui concerne le dialogue social, nous avons déclenché d'énormes chantiers qui ont abouti, la médiation régionale, la médiation sociale, la baisse des conflits, ce qui est quand même très important, mais également d'autres chantiers comme celui du pacte social que nous avons engagé et fondamentalement le contrat social. Le contrat social qu'on a déclenché il y a à peu près un mois et demi est fondamental, que ce soit pour la fin de cette mandature mais surtout pour celle à venir. Parce que sans contrat social fort, nous ne pourrons pas construire le Maroc de demain, le Maroc qui se développe, le Maroc qui est inclusif de ces jeunes, de ces femmes, de ces régions et qui soit dans le cadre du partage de la chaîne de valeur. Moi, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer. كنظن بان عززنا الاتحاد العام لمقاوله المغرب كممثل القطاع الخاص وكممثل المقاوله المغربيه وعززنا كذلك ب4 على 4 ديال يعني ركائز نقاط اليوم مهمين داك العلاقه مع الحكومه عززنا شراكه قويه ومع النقابات كذلك القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين وكذلك عززنا بالمقاولة كتمثيلية بتاعها الجهوية والقطاعية على صعيد الوطني وعلى صعيد الدولي وكذلك عززنا بدور المقاولة كفعال اجتماعي وجمعوي بالنسبة للدور ديالو وكنظن الى المسؤوليه اليوم الاجتماعيه ديال المقاوله زعما تعزات وكذلك دور ديال المقاوله المغربيه والاتحاد العام لمقاوله المغرب كشريك للدبلوماسيه الاقتصاديه كنظن الى هذا التعزيز في كما كنقولوا 360 degrés, 360 degrés, بالنسبه لينا دور ديال هاد الولايه وصل الاتم وحنا انا والشركاء ديالي جد سعيدين.
وكنتمنى التوفيق للآخرين اللي جايين. C'est sur les deux programmes. La seule chose que je peux dire, que le meilleur gagne pour l'entreprise. Il faut que nous soyons unis, que nous restions fédérés autour des mêmes valeurs, de faire de l'entreprise marocaine un modèle de développement économique et social.